paysages ennuyeux. Je voudrais être comme vous et parler comme vous, faire comme vous, tout. Un sens comme moi, pourrais-je croire être parfois bien plus humain que vous. Bon, on va se faire percer les... Eh ouais! Avec Marie, qu'on avait rencontré au Locombia. Mais je t'avais jamais filmé, je crois. Non, je crois pas. Et du coup, voilà, on s'est revus à Guatapé. Elle est venue faire un volontariat. Maintenant, elle est plus volontaire, mais elle reste quand même. Et maintenant, du coup... C'est l'heure de partir. Ouais, comme tout le monde ici. Ouais, et du coup, maintenant, on va faire des trous. Parce qu'on est complètement folle. Et qu'on a envie de souffrir, visiblement. Et surtout parce que on c'est adore. Pas cher, en vrai. Parce que ça coûte quoi? Ça coûte combien? Bah, je sais pas. 40 000? Ouais, par là. Tu m'avais dit. Et du coup, ça fait genre 8 euros. Ce qui est raisonnable, parce que je crois que j'avais payé 60 euros pour ça quand j'avais 16 ans. Ouais, 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 c'est ça. Donc, moi, à l'heure, 70 euros. Ah ouais? Ouais. Ah putain, merde. En Nouvelle-Zélande. Bon, bah voilà. Du coup, on vous montrera pas le résultat, mais. On montrera nos têtes après. Voilà. Nos têtes en train de souffrir pendant et après. Allez, bisous. Du coup, on s'approche, c'est déjà mal. Da-na-na, da-na-na, da-na-na. On approche de la cible. Je crois que c'est ouvert. Non, débile pas. Mais laisse pas toute seule dans cette galère. Hola, buenas tardes. Hola. Queremos hacer un taxi. Aquí. A mañana. Hoy no es posible. Ok. Trabajo mañana, pero... Mais tu dois le dire ou... Bon, le mec est pas là et du coup on a rendez-vous demain à 1h. C'est reporté mais c'est pas grave, on va quand même aller boire un mojito et enjoy la vie. Enfin, préparation psychologique, un jour de cogitation, ça va le faire. De lignes. Mais moi je trouve ça trop stylé. En fait je voulais faire celui-là, mais vu que je vais faire le piercing là, je vais dormir comme ça, je pourrais pas. Ah oui. Mais moi je voulais faire du coup le deuxième là. Parce que du coup je voudrais en avoir plus là. Mais vas-y, mais je vais faire une demain. Ouais, demain. Au pire, on fait 4-5 piercings demain. Après, avec des lignes de tatouage. Quand même un bon moment. Ah, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. De retour chez Elle Bretonne. Avec de la crépon. À défaut d'avoir un piercing, on a un coquet. Bon après-midi, coquet. Voilà, quel tablé. Salut Charles. Ça va? Ça va et toi? Oui. Et toi? Alors, Félix? Hein? Comment vous appelez-vous? Moi? Oui. Vlados. Vlados! Enchanté Vlados. Ravi de vous rencontrer Vlados. Pour les Vlados. Je peux pas serrer la main. Bon, qu'est-ce que vous nous avez préparé là, cher candidat? Le thème imposé, c'est repas familial. Donc, alors, on veut du fondant, on veut un peu d'amertume, on veut la complexité, de l'acidité. Enfin, on veut que ton plat il raconte une histoire, quoi. De l'amour, de la gourmandise. Alors, comment ça se déroule? Le pari est réussi. Le pari est réussi. Est-ce que le thème est respecté? Le thème est-il respecté? L'odeur est au rendez-vous. L'odeur est au rendez-vous et les goûts, les saveurs. Est-ce qu'il a utilisé toute la patate? Parce qu'on est sur une épreuve zéro gâchis en fait. Qu'est-ce que t'as fait de la peau de la patate? De la patate, je fais des chips de patate. Des pickles. Ok, des pickles, ouais. Nous avons de la viande colombienne. Ok. Des carottes colombiennes. Donc c'est un plat colombien. Mais explique-moi. De la France. Ah, donc c'est un mélange de cultures finalement. C'est ça. D'accord. Bah, on a hâte de goûter ça. Hein. On va aller s'asseoir avec les autres chefs et puis on se revoit à la dégustation. Eh ben le thème est respecté les amis. On a un vrai bœuf bourguignon colombien. On est en plein dans le thème. Il se qualifie directement pour la prochaine épreuve je pense. Il a de l'audace. Me, turn it up, turn it up.
Oh le beau bolet. Vous étiez à la cueillette. La cueillette a été bonne. Il y a plein de beaux là, attends. En plus, il y a les couleurs multicolores dessus, c'est vraiment fiesta. Voilà, les gars. Et la star du soir. Eh ouais, regardez, magnifique aussi. Il brillait comme ça, tac. J'ai vu. Une bonne merde de vache. T'as vu? Ouais, t'as vu, c'est bon aussi. Des boîtes, non? T'avais dit. Super beau. Ah, c'est le même. Et le plat du chef, petite frite et petite salade pour le petit Jordan. Le menu en sympa. Voilà, mon gars. Et surtout, tu mets les doigts hein, directement sur la plancha. C'est le doc, tu filmes, vas-y. Attends, mais il me faut une photo là. Attends, il me faut une photo. Il en veut encore. Hop là. Tout le monde, car c'est encore moi qui vais l'emporter. Pipi. Chaque semaine, les candidats de l'Est qui auront été. Monsieur, les derniers instants de Marie. Non. C'est bon, elle bonne bien, c'est vrai. La bière me réconforte. Allez, mon tuk-tuk. C'est vrai? Ouais. Mais non. J'ai sorti la caméra. Oh, putain, oui, je l'ai. Oh non. Bois. Bah soit tu la bois, soit tu la passes à Simon. Fais un dernier câlin. Tu dis au revoir à la vidéo. Oh. Au revoir. Et toi, je t'accompagne. On s'est une striette entre potes, il y avait les gendarmes. On n'a pas bouffé de la rillette depuis 6 mois, 7 mois, 8 mois. Du vrai gras de cochon. Du vrai gras de cochon. Merde. Du vrai gras de cochon. C'est toujours nul quand on doit répéter une deuxième fois. Je vais poser la caméra. Oh, ça sent bon. Ah ouais? Bah, il y en a deux chez nous, mais ça fait plaisir un peu de charcuterie. Ouais. 3, 2, 1, on passe à la dégustation. Ah, oh, c'est fort, hein? C'est pas que c'est fort, c'est. Peut-être on aurait peut-être dû prendre le pâté. Le pont, est... le pain, il est là. Ça, c'est le pain qui se rapproche le plus de chez nous parce que. En vrai, le reste, c'est de la brioche. Mais ça, quand même, c'est bon pain. Bah, au levain, en plus. Au levain? Ouais, tu sens qu'il y a un goût de levain. Tu vois, tu sens. Il y a un vrai goût d'alcool là-dedans. Mais ça fait épaisse quand même. Ouais, peut-être que le pâté. Je crois derrière du poisson. Ouais, c'est vrai que ça ressemble pas trop à du cochon.
Bonjour, j'aimerais une cerveza s'il vous plaît. Tenez, je vous offre la mienne, elle est à moitié bulle, mais c'est bon. Ah, merci, vous êtes... une cliente régulière. Vous êtes le meilleur des réceptionnistes, vous dites donc, hein. Par contre, j'ai pas trop le temps, là, je suis occupé. Ah, vous faites quoi? Si vous pouvez repasser un peu plus tard, ce serait génial. Vous faites quoi? Oh, ben là, je télécharge de la musique. Ah, bah bravo, bravo. Vous faites mon vrai métier. Bravo, bravo. Il y a personne aujourd''hui. J'ai besoin de joie parce que Marie est partie donc. When I do things. Welcome, Anastasia. Hey, good morning. Good morning, everybody. Okay, Marie. Yeah. Hi. Laura. We can see everything. Bye bye bye. We did it. You did it too. Bravo. Bravo. Encore un départ. On devait revoir Anastasia m'a offert ses petits stickers. Je suis trop contente. Oui. I put your goodbyes on my vlog. No, I'm gonna cry. Thank you. Yeah. I wish you the best. Yes, yeah, I wish you the best. Yeah, me too. Yes, me too. Touch, yeah. Enjoy life. Enjoy. It's like another person, like another adult, and you have this one too.